qui est ce Dieu-là au milieu de nous, cette tenue peut délivrer comme toi tu délivres. Qui est ce Dieu-là au milieu de nous, cette nuit, peut guérir comme toi tu guéris. Amen. Oh Père, qui est ce Dieu-là au milieu de nous, cette nuit, peut s'élever comme toi, bénir comme toi tu bénis. Amen. Qui est ce Dieu-là parmi les fils des hommes, réunis au Seigneur, Père éternel et Dieu de gloire, parler comme toi tu parles. Je sais une chose, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les eaux, il n'y en a point. Toi seul est Dieu, le Créateur et Créé, c'est toi. Le Dieu des dieux, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Le roi glorieux, c'est toi. Il est écrit, porte, portes éternelles, élevé et volontaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Faire comme une maison, nous élevons les lenteurs de ce culte. Je bénirai mon peuple et je leur ferai du bien. Oh Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir maintenant. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire du bien maintenant. Oh, nous croyons ta parole, Seigneur. Pierre pouvait se réjouir de cette pêche miraculeuse. Mais les saints qui l'ont vu, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Oh, Jésus, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Dans ta grâce et dans ton amour. Fais-nous du bien. Bénis ton serviteur. Tu as dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Seigneur, ce soir, ce que nous avons entre les mains, c'est ton serviteur. Bénis-les. Qu'il nous bénisse. Un instrument de ta gloire. Amen. Pour nous faire du bien. Amen. Pour nous bénir, Seigneur. Car nous sommes là non pas pour lui. Nous sommes là non pas, Seigneur, pour un homme, mais pour toi, Seigneur. Malgré la fatigue, oh Dieu. Malgré les rides, oh Père éternel, les journées que nous avons eues. Seigneur, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré tout ce que nous avons fait. Avec qui nous travaillons ensemble. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. Je sens vraiment que vous m'aimez. Et moi aussi, je vous aime. Amen. Amen. Aujourd'hui, je lisais ma Bible le matin. Dans l'histoire, il y a Pierre et Jean. J'étais en train de lire l'histoire de Pierre et Jean.
Jésus aimait mille gens. La Bible dit que Jésus aimait beaucoup Jean. Mais et puis comment il repère cette église? Mais au moment de confier la responsabilité de l'église, à cette église à Pierre, papier, il donna la responsabilité de l'église à Pierre. Mais tant qu'histoire à Pierre, j'ai lu l'histoire de Pierre. Mais moi que Pierre admira Jésus mille. J'ai pu constater que c'est Pierre qui aimait plus Jésus. Jean, Jésus a dit Jean mille. Jésus aimait Jean beaucoup. Pierre a dit Jésus mille. Et Pierre aimait beaucoup Jean mais même que Jésus même pendant l'animal. Même dans le mariage, il faut que l'un des époux puisse aimer l'autre. Jésus a aimé qui? Jésus savait sur la paix de l'église. Et s'il donnait l'église, et auprès de celui qu'il aimait beaucoup, celui-là allait négliger son travail. Et c'est qui? C'est là, mais demandez à paix, ça veut pas à Pierre. Qu'il confia l'église à Pierre. Parce que Pierre. Parce que Pierre a Jésus aimait Jésus beaucoup. Mouton, c'est lui que tu aimes beaucoup. On l'a dit au de tu ne chercheras pas à blesser son cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je comprends que toi tu aimes Christ. Ne cherche pas que Jésus puisse plus t'aimer. Il y a des fois, il faut que toi aussi tu arrives à aimer Jésus plus que lui. Sois un peu sur mon. Parce que si tu es dans l'argent, oh, qui m'a payé, tu ne fuiras pas. Sois un peu sur l'Ibala. Si tu es dans le mariage, oh, qui m'a payé, tu n'abandonneras pas. Sois un peu sur l'élévation. Si tu t'élèves, oh, tu n'abandonneras pas Dieu. Pourquoi? Parce que on l'aimera Jésus. Pourquoi cela? Parce que tu aimes Jésus. Mais si Jésus, mais si Jésus t'aime beaucoup, avec ça qui m'a payé. Même si tu fais le mal. Tu sais quelqu'un que tu aimes beaucoup. Même s'il fait le mal. Bébé, pardon, bébé. Ça qui m'a payé, mais bébé. Tu vas toujours continuer à l'appeler bébé. Pourquoi? Parce que on l'aimera. Pourquoi? Parce que tu aimes beaucoup cette personne. Là, Jésus nous a dit naïo. Aime beaucoup Jésus dans ta vie, à quoi pas mouler yo. Et il te bénira. Amen. Bon, bonne soirée. Acclamons pour Jésus. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Pour cette veillée en Seigneur. Et bien, tu sais, des grandes personnes, on a mis à ton mot là de l'eau. Que Dieu a élevé aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont vaincu la nuit. On dit Olonga, esprit de mort. Si tu veux vaincre l'esprit de mort, Olonga, occultiste. Vaincre les occultistes, il faut Olonga Boutou. Il faut vaincre la nuit. Si tu arrives d'avoir des insomnies, tu restes là en train de prier. Tu es à la montagne en train de prier. Les gens sont endormis. Mais toi tu pries. Même si un sorcier sort pour un sorcier, moi si je vais sortir, on va se rencontrer avec. Mais toi tu es là, endormi en train de ronfler. Là, les sorciers sont en train de te marteler. Amen. Il faut vaincre la nuit. Amen. Et tu vaincras aussi. Alléluia. Le jour. Tu dis au lieu invisible. Si tu arrives à vaincre l'invisible. Au lieu invisible. Si tu arrives à vaincre l'invisible. Tu vas vaincre le visible. Alléluia. Amen. Ce que l'on dit, ma famille. Si tu arrives à vaincre le combat des hommes, tu m'as quatre. Ce qui est un combat interne, c'est alors que tu vas vaincre le combat extérieur. Si le combat familial, tu n'arrives pas à vaincre cela, le combat extérieur, tu n'arriveras pas à vaincre. Amen. Amen. Dans de tels moments, il ne faut pas manquer. Laisse que Dieu nous bénisse. Acclamons pour toi-même. La personne m'a dit à 2h. La série de 5 minutes. On m'a accordé la prédication à 2h05. Nous allons enseigner. Amen. Hein? Je vais enseigner. Nous allons écouter tout ça, mes amis. Je vais enseigner un peu et puis. Nous allons maintenant sur le principe de clonage. Je suis en train de parler sur le principe de clonage. Il y a trois thèmes. Il y a trois parties. Il y a trois sous-thèmes. Le principe de clonage spirituel. Il y a d'abord le principe de clonage spirituel et les réseaux sorcelleriques. Et les réseaux sorcellerie. Et le phénomène mari et femme des ténèbres. Et le phénomène de mari et femme des ténèbres. Clonage. Clonage. Réseau. Réseau. Et mari de nuit. Et puis mari de nuit. Donc femme de nuit. Ou femme de nuit. Alléluia. Amen. Et la balance d'hommes, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui. À cause de ma camboy. À cause de toutes ces choses que je viens de dire. Ceux qui ont rien dit qu'on s'en bien. Si tu arrives à bien prier, non, pour que ça me la bien, pour bien prier, il faut connaître ton ennemi. Et assim ma convoi.
Il te touche où? À cause de la loi qui tient. Où se trouve la porte d'entrée? Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Genèse, chapitre 1. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Où est-ce que vous êtes le bisou? Celui qui a trouvé, Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Celui qui a trouvé. Nous lisons la Bible, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, c'est au nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Amen. 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 Vous pouvez vous remercier. Merci beaucoup. Ici, nous comprenons que l'homme est l'image de Dieu. Quand nous comprenons pourquoi nous parlons du clonage spirituel. Moutoupé, on l'a cloné dans le monde des ténèbres. L'homme aussi peut être cloné dans le monde des ténèbres. Dieu est notre image. Non. Où nous sommes à l'image de Dieu. Ça va. Donc, Dame a créé une chose. Dieu nous créa à l'image à son image. Ce mon Dieu. Quand quelqu'un te voit, il voit Dieu au travers de toi. Toi, il est cloné, pourquoi? Nous parlons du principe spirituel du clonage, pourquoi? Diable est hasard créature. Le diable n'est qu'une créature. Amen, hein? Amen. Adam a créé. Il n'est pas créateur. Nous a créé diable. Dieu créa le diable. Mais quand on dit que nous a créé du sauf. La Bible déclare que Dieu nous créa. Oh non, mais là c'est le clonage spirituel. Pourquoi? Je suis en train de parler sur le clonage spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens subissent les conséquences de ces choses. Diable est bon à nous comme du bien. Pour que le diable ensorcelle une personne, il faut à cloner Moudouana. Il faut qu'il arrive à cloner cette personne. Donc Azu image nayo. Il prend ton image. Donc Azu éloigne nayo. Il prend ton visage. Alatiyamo. Il met ça sur lui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des sorciers. Quelqu'un qui arrive à dire que j'étais rêvé la nuit. Tu as rêvé de moi. Si tu rêves du pasteur la nuit. Ou un homme de Dieu. C'est lui aussi est l'image de Dieu. Jésus a voulu cloner papa le frère. Jésus peut aussi cloner papa le frère. S'il clone papa le frère, la boutou, mon papa le frère, la nuit tu vois qu'il est en train de rêver, de parler avec papa le frère. Ou soit qu'il est en train de t'aider spirituellement. Spirituellement, c'est pas lui. C'est Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Quand tu arrives à rêver un homme de Dieu la nuit, bien. D'une bonne manière. Et là, Jésus. Sache que c'est Jésus. Mais attention. Et ça paye. Il y a aussi, ça peut, cela aussi peut arriver que tu rêves d'un homme de Dieu d'une mauvaise façon. Il est en train de faire l'amour avec toi. Non. Et ça y est. Non, c'est pas lui. Ou bien m'a cloné. Peut-être il a été cloné. Alléluia. Il faut au moins que m'a cloné vie. C'est pourquoi tu dois refuser qu'on clone ta vie. Viens maintenant vous dire copie. Le diable n'utilise que la copie pour détruire mon ensemble. Pour détruire les enfants de Dieu. Ma forme nous dans toutes les formes. Spirituellement, il peut te détruire spirituellement. Mais avec effet physiquement. Avec un effet immédiat physiquement. On voit le colopas. Il arrive que tu as mal à ta jambe. Ta jambe te fait mal. Au quel hôpital? Tu vas à l'hôpital. Ma tête le colo. On t'examine. Ma bonne maladie. Ta jambe, on trouve qu'il n'y a pas de maladie. Ma foi, ton bas ventre te fait mal. Au quel hôpital? Tu vas à l'hôpital. Ma tête le boumou. On t'examine. Ma bonne maladie. On voit qu'il n'y a pas de maladie. En réalité. En réalité. La clone qui nous. Tu as été cloné déjà. Alléluia. Amen. C'est mon. Il y a une soeur là où je suis allé. Sœur, Léa. Elle m'a dit, pasteur, on m'avait opéré. Dans quelle échographie, moi, je suis malade. Je suis allé à l'échographie, on trouva la maladie. Il a fallu qu'on m'opère. Comment dans cette opération? Dans la salle d'op. Ma côté. Je suis entré avec le médecin. On m'a ouvert le ventre. Mais on ne trouva pas de maladie. Mais
On m'a laissé avec cicatrice. J'ai compris qu'ici en Europe, beaucoup de gens manquent la foi. Nous en Angola, tellement c'est difficile de se faire soigner. Quand un enfant tombe malade, tu ne fais qu'exercer ta foi. Tu lèves ton enfant, tu pries pour lui. Et aussitôt, il est guéri. Mais ici en Europe, c'est misère. Il y a la semi. Je vais appeler, je vais me faire soigner gratuitement. Ceux qui a consulté, s'il me consulte, il y a offert gratuitement. Après ordonnance. Il m'a donné l'ordonnance. Dans quel hôpital? Je vais aller à la pharmacie. Je vais donner les médicaments, je vais recevoir gratuitement. Beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu ici en Europe. Parce que nous n'avons pas plus la confiance en Dieu. Dans mon hôpital. Pour une petite chose, tu dois d'abord chercher un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Et après cela, tu vas à l'hôpital ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais Europe. Mais ici en Europe, nous vivons le miracle de Dieu à cause de ma campagne. Nous ne vivons pas le miracle de Dieu à cause de ces choses. Un médecin blanc, il est aussi limité. Maman, il peut aussi arriver que ton camp est compliqué. Chez Dieu, il n'y a aucun camp compliqué. Alléluia. Amen. Le diable a cloné la vie des gens. Le diable a cloné la vie des gens. S'il veut te faire accidenter, les sorciers sont des enfants. Il n'aime pas les habits, il n'aime pas ces choses. Il n'est pas compliqué, il n'aime pas bien. S'il veut te compliquer, toi, enfant de Dieu, ils vont cloner ton pied. Ils vont cloner ta vie. Ils vont se dire que lui, il faut qu'il fasse un accident. Toi, tu penses que la personne qui vient de mourir à l'instant, ce n'est pas une chose qui a été promise à l'instant. Cela a été déjà planifié. Il cherchait comment est-ce qu'ils vont atteindre ta vie. Tu avais raté un accident pour la première fois. Mais la mouka. Mais réveille-toi. Pour la mouquité. Tu ne t'es pas réveillé. La deuxième fois, tu rates aussi un accident. Tu sais pour que le diable puisse ensorceler l'enfant de Dieu. Il prendra cela au sérieux. Mais toi, tu pries Dieu. Non, moins sérieux. Tu pries Dieu, mais tu n'es pas sérieux. Les choses que tu es en train de voir dans ta vie, avec les prières que tu es en train d'élever à Dieu, cela n'a pas d'effet dans le monde des ténèbres. Tu n'arrives pas, j'ai dit prier. Tu ne pries pas. Si on l'a dit pendant 20h à 6h. Tu dors de 20h à 6h du matin. J'ai prêché le vendredi passé. L'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre. Pierre dans la prison. Pierre dans la prison. Enchaîné. L'église est semblable pour la pierre. Mais l'église adressait des prières en faveur de Pierre. Pierre allait l'impondre. Mais Pierre dormait. Il me l'a dit. La Bible dit. Nous avons dit des anges. Dieu a envoyé un ange. Avec un Pierre, nous m'attendons papa. Il tapa Pierre sur le côté. Pierre. En demandant Pierre. Lève-toi. Pierre, tellement. Pourquoi oh là là. Pourquoi dors-tu? Pourquoi oh là là? Pourquoi dors-tu? Les choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Pour sa vie. Les choses qui sont en train de se débrouiller. Oh ça là. Mais les prières que tu es en Dieu, tu ne vas pas vaincre le diable. Alléluia. Amen. Nous allons saint prier. Amen. Nous allons vaincre saint Dieu. La paix de l'Éternel. La paix de l'Éternel. Nous allons vaincre dans cette vie. Continuons. Continuons sur cette lancée. Et c'est écho. Cela va donner des échos. Qu'il éveille ou pas. Nous allons dominer Saint-Brieux. Alléluia. Amen. Église pose. Toute personne qui combattait cette église, on s'est trouvé. Quel accessoire le feu. Alléluia. Amen. Mais pour moi, c'est moi qui église pose. C'est lui qui combattait un enfant de cette église. C'est lui qui a le signe de Dieu. On s'est fait. Quel hôtel de feu en charge. Puisse le prendre en charge. Alléluia. Amen. Il doit accroître la vie de Dieu. C'est lui qui clone ta vie. Le nom. Cette nuit, il va te laisser. Alléluia. Amen. Il va recevoir le feu. Beaucoup de gens souffrent, non? Pourquoi le diable fait ainsi? Il cherche à amener les compréhensions dans l'église. Suis-moi très bien.
Il porte le visage de X. Quand toi aimes, tu vois X. La lui de confiance na tu perdras directement la confiance en elle. Tu commenceras à les fuir. Parce que parce que tu l'avais rêvé la nuit. De compréhension. Il est en train de semer l'incompréhension. Dans la vie bon, des fidèles. Amour l'église. Pour qu'il puisse arracher l'amour dans les cœurs. Parce que c'est ça sa mission. Tu as vu X la nuit. Tu as vu Z la nuit. Attention. Attention. Je n'ai pas dit que c'est lui ou c'est pas lui. Quand tu rêves de quelqu'un la nuit, j'avais dit l'autre jour, n'aie pas peur. Il va recevoir une cure de feu. Le visage que j'avais vu la nuit, ce que ça y est. Si c'est toi, si c'est pas toi, moi je saurais. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé pasteur. J'avais rêvé, j'ai eu un mauvais songe. Yannine, quel était le songe? Comme si tu venais me toucher encore. Moi j'ai dit, ah bon, ça va tout simplement. Nous allons prier. La personne qui est venue la nuit, c'est pas lui. À 6 heures, pasteur, la soeur m'appelle. Elle m'a dit, pasteur, j'ai vu la personne. Merci. Merci. Allah. Que cette personne puisse aimer. N'aime pas, il ne faut pas aimer qu'on puisse cloner ton visage. Il y a une sœur en Angola. Elle avait une amie propre à elle. Elle disait, ma copine, moi et toi, on va pas se séparer. Il faut refuser ces alliances. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois refuser de telles déclarations d'alliance. La sœur vient d'Angola. Son ami est allé en Afrique du Sud. J'étais en train de prier pour la sœur en Angola. J'ai trouvé l'esprit humain de sa copine. Amen. Qui était en train de dire ceci, moi je clone son visage. Qu'est-ce que tu fais avec ce visage? Quand je vais dans notre église en Afrique du Sud, je vais ensorceler dans notre église avec son visage que j'avais cloné. Des fois, il arrive que tu puisses voir dans ton songe quelqu'un, mais tu n'arrives pas à bien saisir, à capter ce visage. Une telle personne, tu ne peux pas bien voir. Parce qu'il a porté le visage de quelqu'un de l'extérieur. Que la personne que toi tu ne connais pas. Comme l'église. Comme aussi dans l'église. Oui, l'église. Il y a aussi un membre de l'église. Oui, la pasteur de Ming. Qui arrive à beaucoup à voir le pasteur dans ses songes. Ils sont en train de s'accoupler avec le pasteur. Nous sommes là. Tous ces. Ce sont les œuvres de Dieu. Un peu de confiance à mon divin pasteur. Pour que tu puisses perdre ta confiance envers ton pasteur. Alléluia. Amen. Oh, nous avons. Amen. Là, c'est beaucoup. Il y a une sœur. C'est voilà. Elle était en délivrance. Elle était passée à la délivrance. Ça m'a épouvanté. On avait prié pour elle. C'était fini. Mais quand elle est rentrée chez elle, après un court moment, elle a en auto. Elle était endormie. Elle était en train de rêver. C'est un songe. Qui a donc la image naïe. Donc Yiboko, elle était en train de se voir. Après la Yiboko a aussi la moto. Sa propre image en train de brûler dans le feu. Donc a zik la moto. Elle était brûlée dans le feu. Et pendant ce jour-là. Et depuis ce jour-là, elle était devenue maladie.